Dans cet album, il s'attaque aux tubes intemporels comme La vie en rose. Piaf, c'est ce qui parle le plus aux Américains quand on leur parle de chansons françaises, c'est tout de suite Edith Piaf qui ressort. I see la vie en rose. Enfin, Thomas Dutronc ne pouvait évidemment pas faire un album sans rendre hommage à Django Reinhardt. J'ai quand même mis deux morceaux de Django Reinhardt, qui est le dieu de la guitare du monde entier et mon dieu aussi. Jouer chez vous le 22 octobre, j'ai trop hâte. Je m'appelle Marion, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Je viens vous interpréter mes pépites. Les pépites, c'est toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, qui m'ont fait mourir de rire, qui m'ont émue, que je connais de mon quotidien, qu'on connaît tous en fait, qui ont même traversé ma vie, ne serait-ce que quelques minutes, mais qui m'ont marqué à tout jamais et qui vous ont aussi marqué à tout jamais. Je vous embrasse fort, j'ai hâte de vous rencontrer et de vous délivrer ce spectacle qui, j'espère, vous fera rire et vous donnera beaucoup d'émotions. À très vite, rendez-vous le 22 octobre. Mon frère, enfin, avant qu'on ne se lasse, ou avant qu'on ne soit plus. Il n'en a pas toujours été ainsi, et c'est ce qui rend la chose plus cruelle encore. Enfin, quand nous prenions les choses comme elles étaient, nous étions de formidables compagnons de jeu. De rire dans Birkenau. On portait des pierres en chantant, on rigolait. C'était comme ça qu'on arrivait à tenir. On était jeunes et effrontés. Je voudrais vous faire partager une conviction de femme. Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir. C'est vrai que oui, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est sa modernité. Alors, je pense que j'ai toujours rêvé d'être avocate. Se dire que nous allons faire quelque chose ensemble, pour moi, c'est la grande aventure du XXe siècle. Je ne veux pas réentendre ce que j'ai entendu il y a 50 ans. Toutes les femmes juives du camp étaient enregistrées sous le nom de Sarah. La prison, c'est une privation de liberté, certes, mais ça ne doit pas être en aucun... Thank you.
m'a touché, c'est foutu. Quand je serai grande, je me marierai avec un prince libéré, délivré. Bon, alors moi, je lui disais, mais non, t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Bah, j'ai regardé tous les Walt Disney, et j'ai jamais vu un truc pareil. Hein. Et t'es gracieuse comme une boîte de thon. Quand l'ombre est rouge sous les roses et claire le temps. Pendant la préparation de ce spectacle, il m'est arrivé souvent de ne pas trouver le sommeil et faire de ces sortes de rêves éveillés. Et je me suis même retrouvé dans un déjeuner à la table de Victor Hugo, Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et mes amours. Sans fin, et mou les yeux sur le monde.